Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 8 de La Pilule Verte, Atlantide Apocalypse. Là, je pense que ça va être un épisode d'anthologie, parce que là, on va balancer du lourd, on va, entre guillemets, donner tout ce qui est le plus marquant, irréfutable. À commencer par l'emplacement exact, précis, nous allons vraiment mettre la main dessus, bon, elle est sous l'eau, mais avec un scaphandre, pourquoi pas. Cette île engloutie de l'Atlantide. On va toucher ce temple de Poséidon. Et vous allez voir qu'en réalité, on a vraiment gardé le meilleur pour la fin. Parce qu'en seulement 3 arguments définis parmi 8 critères que nous avons sélectionnés pour déterminer l'emplacement de cette île, en seulement 8 critères définis par Platon, et en seulement 3 critères, on peut déterminer avec exactitude l'emplacement de cette île engloutie. Et oui, là, vous allez pouvoir, vous aussi, démontrer la véracité de l'Atlantide nordique en seulement 3 arguments. Et pourtant, Dieu sait que depuis le début de cette série, La Pilule Verte, qui commence à l'épisode 0, hein, je le rappelle, nous avons déjà apporté beaucoup, beaucoup d'éléments qui montrent qu'il y avait bien une civilisation en Europe occidentale, une civilisation de l'âge de bronze, même de l'âge de pierre, une civilisation ancienne, préhistorique. Et nous avions utilisé, pour ces premiers épisodes de La Pilule Verte, le fameux réseau vert avec ses méridiens, et ses 366 méridiens autour de notre planète, découvert par Alan Butler. Et puis, sur les 3 derniers épisodes, nous avions utilisé comme fil conducteur le travail fabuleux de Jürgen Spanut, dont je ne peux que recommander fortement le livre qui est franchement fantastique, hein, concernant l'Atlantide. C'est de très très loin le meilleur livre. Et bien, dans cet épisode, nous allons faire se rejoindre ces deux fils conducteurs, ces deux éléments. Le réseau vert et le travail de Jürgen Spanut vont se marier magnifiquement pour entériner la localisation de l'Atlantide. Nous allons en profiter du coup pour... voilà, pour lâcher les chevaux, l'identité de ces Atlantes. Qui étaient-ils? C'est le peuple le plus méprisé par l'histoire officielle. C'est le peuple le plus mal aimé. L'Atlantide est carrément renié de l'histoire officielle. Donc ce sont des gens qui sont niés, quoi. Il y a carrément un négationnisme contre ces gens-là. Qui étaient les Atlantes? Les plus mal aimés de l'histoire, ça c'est clair. Maintenant, on va voir qui ils étaient vraiment. Et puis dans un dernier temps, on va voir quelles sont les civilisations et les peuples qui, eux, ont eu le droit d'exister dans l'histoire. Quels sont ceux qui ont hérité donc des Atlantes, de l'Atlantide, que ce soit par des éléments culturels ou par des éléments, je dirais, d'ascendance. Quels sont les descendants parmi ces peuples et civilisations connues dans l'histoire? Vous allez voir qu'il va y avoir des belles surprises. Des surprises assez incroyables. Et voilà. On va démarrer sans plus attendre. Mettez vos scaphandres. On plonge dans la mer du Nord. On va toucher le temple de Poséidon. C'est l'île royale, ni plus ni moins, qui va être engloutie en une seule nuit. La capitale politique et économique de l'Atlantide. C'est le symbole de la grandeur de cette civilisation. Du récit de Platon, nous avons retenu 7 critères permettant de déterminer son emplacement.
Premier critère, on y extrayait du minerai de cuivre. Second critère, on y extrayait de l'ambre, c'est-à-dire dans le récit de Platon, ce que l'on nomme auricalque. Déjà à ce stade, il n'y a plus qu'un seul endroit au monde qui réponde à ces deux conditions. Si l'on ajoute la troisième condition, l'île engloutie a laissé un bas-fond vaseux qui, encore aujourd'hui, empêche les navires de traverser. Il n'y a qu'une seule région au monde qui réponde à ces critères, c'est la zone entre l'île d'Heligoland et le continent européen. En effet, encore aujourd'hui, les navires ne peuvent traverser cette zone à cause du bas-fond vaseux laissé par l'île engloutie. Sur l'île d'Heligoland, on trouve du cuivre, alors que les pêcheurs de la région retrouvent assez fréquemment dans leurs filets de l'ambre. Effectivement, le gisement d'ambre est désormais indisponible à l'exploitation, se trouvant sous le fond vaseux, mais à l'époque de l'âge de bronze, cette région était appelée l'île de l'ambre et c'est le monde entier qui se fournissait à cet endroit. Dans le récit de Platon, l'ambre est nommée auricalque et ça mérite bien quelques explications. C'est pourquoi nous y reviendrons un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais continuons d'abord à dérouler cette liste de 8 critères avec le quatrième. L'île engloutie comportait une falaise abrupte de roches rouges. Et si on regardait d'un petit peu plus près cette île d'Heligoland, mais regardez comme c'est une magnifique falaise abrupte, une falaise d'une roche d'un rouge magnifique, une beauté incomparable. Il faut savoir que cette île d'Heligoland n'est qu'un minuscule vestige de ce que fut l'île royale d'Atlantis. En effet, à l'origine, elle était 150 fois plus grande. Heligoland n'est qu'un minuscule reste de l'ancienne capitale d'Atlantide. Critère numéro 5. L'Atlantide se trouvait à l'embouchure de grands fleuves. Et c'est le moins qu'on puisse dire. La zone d'Heligoland se trouve à l'embouchure d'au moins 4 fleuves. Le Jade, le Weser, l'Elbe et l'Eder. L'Eder, c'est l'Eridanos de la mythologie. Eder Eridanos qui se jetait juste en face de l'île royale nommée Basilea dans le récit de Platon. Et l'île actuelle d'Heligoland, ce vestige, et bien c'est le tout petit point ici. Critère 6. L'île était circulaire avec un diamètre de 100 stades. Et cela correspond parfaitement à la situation de l'île d'Heligoland et surtout au bas-fond de la mer de Vase qui l'entoure. Un diamètre de 100 stades, c'est-à-dire environ 18 km, sur la colline au centre de l'île d'où s'élevait le temple de Poséidon, eh bien on a effectivement trouvé une correspondance puisqu'il y a un fond de cailloux, c'est-à-dire une partie plus proche de la surface qui se trouve effectivement au milieu de cette zone vaseuse, et sur ce fond de cailloux, des plongeurs en 1934 ont retrouvé des vestiges d'habitation et des vestiges, disent-ils, d'un château royal germanique. En 1953, Jürgen Spanut entreprit 5 plongées. Les plongeurs découvrirent des vestiges d'habitation et entre autres des murs et des dalles en pierre taillée. Ces dalles étaient travaillées par l'homme. Sur la partie terrestre d'Heligoland, on a retrouvé dans des tombes datant de l'âge de bronze des dalles du même type. Quand d'autres plongeurs dans les années 60 ont redécouvert ces dalles sous la mer dans le fond de cailloux, ils les ont donc appelées pierre de l'Atlantide. Le royaume d'Atlas faisait une superficie de 3000 sur 2000 stades, soit 550 km sur 366. C'est pas une blague. Alors, dans le Timée et le Critias, on nomme par Atlantide 3 entités différentes, 3 espaces géographiques différents et 3 entités politiques différentes. La première, la plus grande, c'est la totalité de la Confédération Atlante, c'est les 10 royaumes des 10 rois. Et donc, c'est le continent, on va dire, de l'Atlantide, cette presqu'île d'Europe occidentale, mais avec en plus, on a vu une partie de l'Afrique du Nord et toutes les îles du nord de l'Europe, de la Grande-Bretagne, jusqu'aux îles scandinaves, sans oublier les îles englouties de la mer du Nord, évidemment.
Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a le royaume d'Atlas. Donc, parmi ces 10 royaumes, le royaume principal de l'aîné, fils de Poséidon, Atlas. C'est lui qui nous intéresse là. En son sein, donc, la fameuse île engloutie, dont on a une description très, très précise, hein, l'île royale Basilea, une île circulaire. Et voilà. Et donc, le royaume d'Atlas, bah, c'est cette péninsule, c'est cette presqu'île du Danemark jusqu'au continent, c'est-à-dire jusqu'à la Frise. Et vous pouvez observer que la moitié de cette presqu'île du Danemark et du nord de l'Allemagne, hein, administrativement parlant aussi, elle a perdu la moitié quasiment de sa superficie. Donc là, on parle véritablement d'un continent englouti, sachant qu'en plus, c'est la capitale elle-même qui est engloutie. Vous imaginez à quel point ça marque quand vous avez le centre carrément d'un si vaste domaine de civilisation qu'est l'Atlantide qui disparaît. Sans oublier bien sûr tout ce qui est Doggerland, donc de la Grande-Bretagne jusqu'au Danemark. En fait, c'était jadis une zone où il y avait de la terre. Et donc l'engloutissement du Doggerbank et de ces zones-là semble être plus ancien, si vous voulez. L'engloutissement de Basilea et de la partie, on va dire, danoise, c'est un peu le dernier grand pan de l'Atlantide qui disparaît, la capitale, le centre. Mais il y a eu déjà avant toute cette partie Doggerland qui a été submergée. D'où le souvenir d'un continent englouti. Critère 8, c'était une plaine d'une verdure et d'une fertilité sans pareil. Heligoland et la région côtière qui l'entoure, c'est une zone évidemment très fertile. Mais le plus intéressant à retenir, c'est que les habitants locaux du Schleswig-Holstein, c'est comme cela que s'appelle cette région du nord de l'Allemagne, eh bien les autochtones se rappellent de l'Atlantide, grâce aux légendes orales qui leur ont été transmises par leurs ancêtres. Les locaux ont en effet gardé le souvenir d'une grande île, jadis dédiée au dieu Poséidon, une île qui a dominé toute la planète. Poséidon à l'époque s'appelait Phocite, et d'ailleurs c'est toujours comme cela que les vieux frisons nomment l'ancien dieu, Phocite. Phocite s'est latinisé en Poséidon, exactement comme le father anglais ou le father allemand, qui veut dire père, est devenu pater, paternel, dans les langues latines. Les habitants se souviennent également que cette île était dédiée aux taureaux. C'est pourquoi elle porte également le nom de Faria, l'île de Faria, l'île du taureau. Lors des premiers épisodes de la pilule verte, nous avions étudié ce réseau vert. Nous l'avons nommé « Réseau des anciens bâtisseurs » car nous y avons retrouvé des constructions mégalithiques très anciennes en Europe occidentale, mais également les principaux temples égyptiens, y compris les pyramides de Gizeh. Nous avions déduit que ces constructions et ce réseau étaient le fruit de la civilisation de l'Atlantide, un peuple de marins. En conséquence, nous sommes en droit de nous attendre à ce que la capitale mythique de l'Atlantide, la cité engloutie, se trouve sur le réseau vert. Traçons donc quelques méridiens et surtout tous ceux de la zone concernée. Voilà qui est fait. L'île engloutie se trouve exactement sur le 10e méridien vert, ici en rouge, à l'est de Stonehenge. Alésia, comme vous le savez, est sur le 6e méridien vert. Nous avons bel et bien retrouvé l'île Atlantis, et cette île se trouve exactement ici. Le méridien vert la coupe en plein milieu, c'est-à-dire en plein sur le temple de Poséidon, au milieu duquel trônait la colonne d'Atlas, ou Erminsul. Si vous me découvrez à partir de cette vidéo Atlantide Apocalypse, sachez que ces 8 critères ne sont qu'une infime partie de la liste exhaustive de preuves dont nous disposons et dont nous avons fait étalage au cours des
épisodes précédents. Je tiens à souligner l'épisode numéro 5 où nous expliquions les événements cataclysmiques qui ont eu lieu sur notre planète il y a seulement 3200 ans. Épisode majeur pour la compréhension de notre véritable histoire et de la chute de l'Atlantide. Événements cataclysmiques de 1200 avant Jésus-Christ qui ont été malencontreusement oubliés par l'histoire officielle. Mais même si vous regardez tous les épisodes de la pilule verte, vous n'aurez jamais autant d'informations que dans ce livre aux éditions L'Esprit Viking, dans lequel j'ai rédigé le prologue et l'épilogue, dans lequel j'explique le pourquoi de l'oubli de ces événements dans l'histoire officielle et de ses implications eschatologiques fondamentales. Tout ceci est éclairci dans ce livre. Et il y en a encore tellement des éléments de preuve à dévoiler, notamment parmi les textes anciens, la fameuse Odyssée d'Homère. Oui, l'Odyssée d'Homère, qui est tout de même assez connue, eh bien, en réalité, elle décrit, par l'intermédiaire des Phéaciens et de la Phéacie, elle décrit ces Atlantes du Nord, de cette zone de la mer du Nord et de l'Heligoland. Et oui, ce sont bien les Atlantes qui sont décrits. Cette région s'appelle également Hyperborée dans les textes anciens. Pour en savoir plus sur l'Atlantide boréenne dans l'Odyssée d'Homère, encore une fois, je vous renvoie à ce livre qui va vous montrer tous les passages de l'Odyssée d'Homère, et il y en a beaucoup, hein, c'est hyper clair. Tout est débroussaillé, tout est éclairci, encore une fois. Pour la mythologie grecque et la mythologie celtique, je vous renvoie aux premiers épisodes de la pilule verte. Et pour la mythologie nordique, là aussi, magnifique surprise. On décrit l'Atlantide avec une grande, grande précision dans l'Edda. Oui, oui. Alors évidemment, ça ne saute pas aux yeux parce que ça a été fait de façon hermétique, discrète, allégorique. Tout simplement parce que l'Edda a été rédigée sous la pression et sous la censure judéo-chrétienne très forte. Par conséquent, il a été clairement christianisé, cette Edda, on l'a déjà dit. Mais en réalité, les auteurs ont caché, on va dire, la vérité d'une manière allégorique, vous voyez, d'une manière discrète. Et c'est pourquoi, aux éditions L'Esprit Viking, je suis en train de recueillir tous ces passages de la mythologie nordique et en train de les décrypter, les expliquer. Et donc, je prépare un livre qui va s'appeler Ragnarok de l'Atlantide et qui sortira prochainement aux éditions L'Esprit Viking. Mmh. Avant de nous intéresser à l'identité des Atlantes, revenons comme promis sur l'ambre. L'ambre était alors appelée l'or du Nord. Mais dans le récit de l'Atlantide, il n'est fait mention que de l'oricalque. Et pour cause, à l'époque où le récit est effectué par un prêtre égyptien à Solon, vers 570 avant Jésus-Christ, l'ambre n'est plus connue. Et d'ailleurs, le prêtre égyptien le dit lui-même, cette substance n'est aujourd'hui plus connue. Tout ce que sait le prêtre, c'est que cette substance était prisée à l'égal de l'or, et que cette substance était extraite directement de la terre depuis l'île Atlantis. Elle avait un éclat flamboyant, et les Atlantes en avaient recouvert les murs et les colonnes de leur temple. À l'âge de bronze, l'ambre était prisée à l'égal de l'or. On le sait par des textes, des inscriptions, des pharaons, mais également de l'Empire assyrien. On sait que cette ambre provenait du Nord. On sait que c'était les Honbu, les Atlantes, qui l'exportaient et qui l'échangeaient contre de l'or. En témoignent les fameuses routes de l'ambre retrouvées par les archéologues. Le Hongrois Patay nous dit « Le commerce de l'ambre, très important sur le plan économique, qui partait des régions de la mer du Nord et traversait la partie occidentale de la Hongrie en direction de la Grèce, eh bien, il s'interrompit brusquement en 1200 avant Jésus-Christ. » On voit sur cette carte en rouge les routes de l'ambre utilisées pendant l'âge de bronze jusqu'à 1200 avant Jésus-Christ, date à laquelle ces routes ne sont plus utilisées et pour cause, le principal gisement d'ambre, l'île Atlantis, dans la zone d'Heligoland, va être englouti. Le commerce d'ambre va donc s'arrêter et il faut attendre 70 avant Jésus-Christ
pour voir réapparaître une nouvelle route de l'ambre, mais celle-ci, en marron clair sur la carte, comme vous le voyez, prend sa source non plus dans la zone d'Heligoland, mais dans la mer Baltique. On en parle aussi dans la mythologie. L'ambre est une sécrétion des yeux de Ra. Les dieux vivent dans son parfum et sa couleur est celle de l'or. Il existe effectivement deux types d'ambre, l'ambre rouge et l'ambre jaune. Dans la mythologie grecque, on parle du fleuve Eridanos, dont l'équivalent bien réel est le fleuve Eder, qui se trouve dans la zone d'Heligoland. Au rivage de l'Eridanos, où les filles d'Hélios gémissent sur le sort de Phaéton et laissent couler dans le pourpre des eaux du fleuve l'or de leurs larmes aux brillants reflets d'ambre. Et dans la mythologie nordique, Freya, quant à elle, pleure son époux disparu, jamais revenu. Freya pleure et ses larmes sont d'or rouge. Les larmes d'or rouge de Freya, l'or rouge n'existe pas. C'est évidemment une manière allégorique, discrète, hermétique même, d'évoquer l'ambre. Car l'Edda nordique a été rédigée à une époque où la censure était très présente, et notamment à l'encontre de l'Atlantide nordique. Un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Nous avions vu dans les épisodes précédents que le peuple de la mer qui va attaquer l'Égypte en 1200 avant Jésus-Christ était le même peuple qui, dans les textes de Platon, était nommé les Atlantes. Et qu'en plus d'attaquer l'Égypte, ils allaient attaquer la Grèce et le reste de la Méditerranée orientale. Si dans les textes de Platon, l'identité des Atlantes n'est pas précisée, nous indiquant seulement qu'ils viennent de l'océan, en revanche, dans les inscriptions égyptiennes, que ce soit les papyrus ou les fresques de Medine Abou, c'est très précis. Ils sont nommés les Onebu. Dans l'histoire officielle, on les appelle les peuples de la mer. Eh bien, le temple de Medine Abou, construit par le pharaon Ramsès III, contemporain des terribles événements de 1200 avant Jésus-Christ, cataclysme, guerre, eh bien, ce temple est un véritable recueil historique pour l'humanité. Un mémorial, un oracle qui va nous donner tous les renseignements nécessaires sur ces Onbu, peuple de la mer, Atlantes. Les combats opposant les guerriers du Nord aux Égyptiens ont été retranscrits dans des fresques de Medine Abou, dont vous pouvez observer ici une reconstitution. La différence entre les deux camps est nette. Les Atlantes sont tous équipés de boucliers ronds. Ils naviguent sur des navires à proue fortement relevée à tête de cygne. Ils sont équipés d'épées à poignées en forme de langue, alors que les Égyptiens, eux, usent et abusent de l'arc. Enfin, les Atlantes sont coiffés soit de casques à cornes, soit de couronnes à rayons. Les seuls casques à cornes datés de 1200 avant Jésus-Christ se trouvent au Danemark, au musée national de Copenhague, là où ils ont été retrouvés. Mais l'on trouve également des traces du casque à cornes à Chypre sur des statuettes de bronze représentant le guerrier du Nord conquérant de l'île. C'est effectivement les Atlantes qui ont conquis à cette époque Chypre et l'on voit bien que cette statuette représente le guerrier Atlante coiffé d'un casque à cornes. À une autre époque, un petit peu plus tard, en 100 avant Jésus-Christ, on a retrouvé ce casque dans la Tamise, en Angleterre. On a également retrouvé le fameux chaudron de Gundestrup, de la même époque, où cet homme est coiffé d'un casque à cornes. Ce chaudron de Gundestrup a été retrouvé au Danemark. Enfin, peu de temps avant les invasions vikings, on a retrouvé cette plaque de bronze en Suède, où l'on voit également un guerrier coiffé d'un casque à cornes. Élément indéniablement lié à la culture d'Europe du Nord, ce depuis l'âge de bronze jusqu'à l'époque viking. Les boucliers ronds des peintures rupestres scandinaves et des fresques de Medine Abou qui équipent tous les guerriers atlantes sont tous de même type. Un type bien différent de celui des Grecs mycéniens et des Hittites, qui utilisait alors un bouclier en forme de 8. Énième preuve que les peuples de la mer
ne venaient pas de Méditerranée, ni de la Grèce mycénienne, ni de Turquie. En revanche, le style des guerriers atlantes est similaire à celui des Vikings. L'archéologue Herbig, concernant ces navires à proue et poupe relevée des fresques de Médine Abou, déclare « C'est une apparition totalement étrangère au bassin méditerranéen oriental, quelque chose apporté d'ailleurs. » Pour lui, ce genre de construction n'est point méditerranéen, mais plutôt nordique, des navires des peuples de la mer du Nord. Ce type de navire est similaire à celui des peintures rupestres scandinaves, nombreuses et toutes datées de l'âge de bronze. Et en effet, les fouilles des navires tombeaux, datant de l'âge de bronze, en Suède et au Danemark, eux possèdent exactement les mêmes formes avec des étraves verticales. L'archéologue français Février a publié une étude sur la construction navale des Phéniciens et il constate une révolution invraisemblable vers 1200 avant Jésus-Christ sur la côte syrienne. En effet, les nouveaux types de navires phéniciens en 1200 avant Jésus-Christ rappellent comme deux gouttes d'eau les navires des Vikings d'une époque postérieure. Le fait que les proues et les poupes de ces navires soient ornées de cygnes n'est pas anodin. En effet, le cygne est un animal caractéristique du Nord. Il ne vit que dans les zones froides ou tempérées, jamais dans les milieux chauds ou tropicaux et jamais en Afrique. Ainsi, ces cygnes sont une sorte de carte d'identité nordique pour ces navires. Le cygne est très présent dans la mythologie, en témoigne cette iconographie issue de la mythologie celtique. Le cygne est également présent dans l'Edda nordique, où le dieu Njord, c'est-à-dire Poséidon, habite au pays des cygnes. Cela devient encore plus parlant lorsqu'on regarde ces images, ces descriptions de la mythologie grecque, où l'on sait qu'Apollon, l'hyperboréen, navigue sur un cygne. Apollon arrive en Grèce sur un cygne. Chez les Gaulois, le dieu Bélénos, ici représenté, était doté d'ailes de cygne. Les ailes de cygne sont caractéristiques des casques gaulois. Mais saviez-vous que les archéologues ont également retrouvé ce type de casque? Littéralement, le corps d'un cygne y est imité. Ces casques ont été retrouvés en Gaule. Les Nordiques ne sont pas en reste, puisque le dieu Odin, lui aussi, est équipé d'un casque avec des ailes de cygne. Et les Gaulois portaient également le casque à cornes. Avec un petit peu de culture, un petit peu de mythologie, les choses s'éclaircissent, prennent un petit peu de sens. On est en train d'embrayer tranquillement vers les héritiers de l'Atlantide. Mais on va quand même regarder avant la grande migration du peuple atlante, cette immense migration vers la Méditerranée que ces Atlantes enclenchent pour survivre, car c'est suite à la destruction de leur pays et donc principalement du royaume d'Atlas, dont vous savez qu'il est le royaume principal et surtout le royaume le plus peuplé, le plus riche et le plus peuplé de très très loin. En témoigne cette carte des épées à poignées en forme de langue, véritable pointe de la technologie à l'époque, hein, ces épées étaient vraiment exceptionnelles et on en retrouve quantité dans cette zone donc, de l'Europe du Nord, du royaume d'Atlas. Mais donc on comprend évidemment que suite à ces cataclysmes, c'est surtout de cette zone que vont venir les Atlantes, mais pas seulement, mais pas seulement. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une série hein, de cataclysmes qui va avoir lieu. Hein. On a souvent en tête le déluge, une île engloutie. C'est beaucoup plus que ça. Donc ce n'est pas uniquement la submersion d'une bonne partie du royaume d'Atlas, mais c'est également des éruptions volcaniques, des incendies et un grand refroidissement qui va avoir lieu suite aux 3 années sans soleil. Enfin, le refroidissement pendant les 3 années sans soleil. Effectivement, ça c'est relaté dans la tradition du Ragnarok, de la mythologie nordique, mais également dans tous les textes anciens méditerranéens, à commencer par les textes de Médine Abou. On sait que ces 3 années sans soleil démarrent par
En fait, une semaine de nuit complète, 7 nuits de 24 heures, si vous voulez, j'allais dire 7 jours, mais non, il n'y a pas de jour. C'était l'obscurité totale pendant une semaine, et ça, on le trouve dans toutes les traditions du monde. C'était le point de départ de 3 ans sans soleil. Ces 3 ans sans soleil sont provoqués à cause des éruptions volcaniques qui envoient dans l'atmosphère des quantités de cendres astronomiques épouvantables, et ce sont ces fumées, voilà, d'éruptions volcaniques qui vont stagner dans l'atmosphère pendant 3 ans et faire qu'on ne verra plus le soleil ni la lune pendant toutes ces années. Donc, c'est-à-dire dans une obscurité, une pénombre, vraiment, vraiment, quasiment pas de lumière les premiers mois. Et donc en Europe, changement climatique, ère glaciaire. Faut savoir que toute l'Europe, dans sa moitié nord, ou même toute l'Europe non méditerranéenne a été complètement dépeuplée. J'en veux pour preuve, prenez donc le Danemark. On a trouvé pendant l'âge de bronze quantité d'objets, de preuves de peuplement, jusque 1200 avant Jésus-Christ. Et à partir de 1200, plus personne, plus aucune trace de peuplement, jusque 850 avant Jésus-Christ. Donc il faut raisonner à l'envers, hein. De 1200 à 850 avant Jésus-Christ, eh bien, plus personne, plus aucune trouvaille archéologique. L'Europe du Nord est complètement dépeuplée parce que refroidissement climatique, 3 ans sans soleil, glaciation. La migration vient principalement de la zone la plus peuplée, donc le royaume d'Atlas, mais également de la Grande-Bretagne et également de la France, et en tout cas de toute la partie moitié nord de la France et partie continentale. C'est la même chose. On a, grâce à ces épées à poignées en forme de langue qu'on a retrouvées, mais également à d'autres trouvailles archéologiques, on a pu retracer les routes de migration de ces Atlantes. Et effectivement, c'est toute l'Europe du Nord qui est progressivement abandonnée. Et c'est donc à la recherche d'un pays plus clément pour survivre que tous ces Atlantes d'Europe vont envahir la Méditerranée, et la Méditerranée orientale plus exactement, puisque la partie occidentale était déjà pas mal occupée par eux. Les premiers héritiers de l'Atlantide sont évidemment leurs survivants. Or, tous ces survivants ont migré vers le sud. Il nous suffit donc de suivre leurs pas. Ce sont des populations entières qui vont se déplacer. Par conséquent, ils ne vont pas emprunter que le navire, que la mer. Ils vont migrer par les anciennes routes de l'ambre à pied. Et l'une de ces anciennes routes mène tout droit en Italie. Ils vont venir occuper la partie la plus chaude méditerranéenne de l'Italie et donner un peuple que l'on appelle les Ombriens. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que les Étrusques, ce fameux peuple à l'origine de la fondation de Rome, les Étrusques apparaissent au même moment en Italie également. On dit que les Étrusques, on ne sait pas trop de qui ils descendent, on les associe aux Pélasges. On dit, voilà, ils viennent des Pélasges, comme beaucoup de peuples d'ailleurs prestigieux en Méditerranée, mais on dit toujours, voilà, les Pélasges, c'est un peu pour botter en touche, on ne sait pas trop d'où viennent les Pélasges, hein. Vous savez que dans l'histoire officielle, les Pélasges, voilà, c'est les peuples de la mer. Mais comme nous l'avons vu, avec notamment les textes égyptiens qui citent très souvent les Pélestes, c'est ce qui a donné le mot Pélage, et ce sont ces peuples de la mer, Pélestes, Onbu, qui viennent du nord. Donc les Pélasges viennent du nord, c'est bien un peuple de la mer, mais il vient du nord et il a donné ce peuple des Étrusques également en Italie. L'autre route principale empruntée par les tribus du nord est celle de la Grèce. Pour cela, ils vont passer par la Hongrie en repoussant les Illyriens, Hongrie dans laquelle ils vont laisser de nombreuses traces de peuplement, puisqu'on retrouve de nombreux tumuli funéraires. Puis donc, ils vont livrer bataille à la Grèce, comme cela est raconté dans le récit de Platon, et comme cela est dépeint dans l'histoire officielle, comme les fameuses invasions doriennes. Les Doriens, qui dans la tradition grecque sont également appelés les Héraclides. Les cités de Mycène et de Tirynthe vont succomber aux assauts des Atlantes ou Héraclides,
Seule la cité d'Athènes va, elle, vaillamment résister. Les Héraclides vont alors s'installer dans le Péloponnèse où ils vont fonder une nouvelle ville qui deviendra plus tard très célèbre. Ces Héraclides de Grèce vont donner un peuple très connu, les Spartiates. Spartiates ! Quel est votre métier ? En effet, la culture de la Grèce classique, la culture hellénique, est pétrie de culture atlante. C'est une héritière directe de l'Atlantide. En témoigne le dieu Poséidon, qui n'est autre que le Phocyte des Frisons du royaume d'Atlas de jadis, donc de l'Atlantide engloutie. En effet, Phocyte était donc ce dieu à la hache ou ce dieu au marteau qui jugeait près des colonnes d'Atlas dans l'Atlantide du Nord authentique. Et depuis que cette Atlantide est donc sous la mer, Phocyte est devenu Poséidon. Poséidon, un dieu de la mer, mais un dieu qui est représenté très souvent sous la mer. Et en témoigne son fameux trident. Son trident n'est autre qu'un harpon, qu'une arme de sous l'eau. Donc en fait, la hache de Phocyte est devenue le trident de Poséidon, parce que Poséidon n'est autre que Phocyte sous la mer, c'est-à-dire un reflet, un souvenir de l'ancienne Atlantide du Nord, désormais submergée. Poséidon a évidemment son temple qui est fait de nombreuses colonnes, comme tous les temples de Grèce, hein, où il y a énormément de colonnes. J'ai envie de dire, la colonne est centrale. Donc, ces colonnes, c'est évidemment les colonnes du ciel, les colonnes d'Atlas. Atlas également, bah, évidemment, le dieu qui soutient le ciel, dieu très important en Grèce, qui représente l'axe du monde, l'axe du monde qui est la divinité chez les hyperboréens. Apollon, l'hyperboréen, également un très grand dieu grec. Tout ça, ça renvoie au nord. Et effectivement, la colonne, les colonnes, renvoient donc à cette ancienne Atlantide d'Atlas. Pour rappel, colonne, ça se dit as ou eisir en norrois. Ça veut dire poutre ou donc colonne. Hein. Voilà, donc les as, les dieux nordiques, les as, en fait, ça veut dire les colonnes, tout simplement. L'histoire officielle, elle dit que les Hellènes viennent des Pélages, donc qui viendraient de l'Orient, du Moyen-Orient, par là, du bassin méditerranéen. Et pas du tout, encore une fois, hein, on le voit bien que ces Pélages viennent bel et bien du Nord et pas d'ailleurs. C'est clair et net. Mais alors, qu'en est-il de nos ancêtres gaulois ? On sait que la Gaule, l'Europe occidentale, va être totalement désertée en 1200 avant Jésus-Christ à cause de ces catastrophes qui ont mené à des changements climatiques. La Gaule était devenue pratiquement inhabitable. Et c'est ce qui explique ce trou au niveau archéologique entre la civilisation dite mégalithique, en réalité atlante, et la civilisation qui va suivre, qui est la civilisation celtique. Ce trou archéologique donc s'explique par ces catastrophes et ces changements climatiques, qui vont entraîner ces migrations. Donc les invasions soi-disant celtiques qui vont suivre, en fait ce ne sont pas des invasions. C'est tout simplement un repeuplement de cette zone devenue à nouveau habitable grâce à des nouvelles conditions climatiques. L'histoire officielle, elle, prétend que ces Indo-Européens, Celtes, auraient ravagé et décimé cette population mégalithique. On voit bien que cette théorie ne tient pas la route, qu'elle omet carrément les cataclysmes et changements climatiques de 1200 avant Jésus-Christ, et qu'en réalité, c'est pour ça, s'il y a une rupture en termes de trouvailles archéologiques entre 1200 et 800 avant Jésus-Christ, c'était dû à cette migration, à cette désertion de la zone, et non pas à un soi-disant massacre de la part des Indo-Européens contre la civilisation mégalithique. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que les Gaulois, donc ces pseudo-Indo-Européens, arborent la même culture que celle de l'Atlantide, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a une continuité dans les symboles portés par les Gaulois par rapport à l'Atlantide.
La seule chose qui s'arrête, c'est la construction des imposants mégalithes. Ça, c'est vrai, mais c'est tout. On peut également remettre en cause la théorie indo-européenne qui ne tient pas vraiment debout face à tout cela. Car effectivement, si les peuples celtes, gaulois arrivent à partir de la civilisation de Hallstatt, qui est une civilisation d'Autriche, vers 800 avant Jésus-Christ, cette civilisation donc rejaillit à cet endroit-là, et ce n'est pas un hasard. Et c'est à partir de là que les Celtes vont essaimer vers l'Occident, vont retourner vers les Gaules, mais également vers le nord de l'Europe. Mais c'est par rapport aux nouvelles conditions climatiques, et c'est pour ça que ça part de Hallstatt, parce que ces rescapés atlantes hyperboréens se sont réfugiés en passant par la Hongrie, jusqu'en Grèce et jusque sur les côtes méditerranéennes. Donc quand le climat est redevenu favorable, ils sont repartis de ce point. Ils ont été progressivement vers l'Occident et donc ont refondé une première civilisation à Hallstatt avant de réessemer sur l'ensemble de l'Occident, y compris le Nord. C'est-à-dire qu'on sait aussi que dans le Nord, on retrouve des traces de peuplement à partir de 850 avant Jésus-Christ. Et donc que ce soit ce qu'on appelle les Germains ou les Gaulois, en fait, sont tous deux issus de la même origine atlanto-boréenne, mais qui avait migré vers le sud et qui avait refondé une civilisation intermédiaire, on va dire, à Hallstatt, entre donc la civilisation, on va dire, atlante via ensuite la Méditerranée et la Grèce, pour ensuite revenir en Occident pour fonder les civilisations celtiques. Et d'ailleurs, les traditions orales, aussi bien des Gaulois que des Frisons, relatent que leurs ancêtres provenaient d'une ancienne île jadis engloutie. On trouve également nombre de souvenirs de la glaciation dans les traditions orales. Parce que les traditions orales, ce sont des mythologies qui n'ont pas été corrompues par la main ecclésiastique, par la main de l'Église politisée et pétrie d'idéologies judéo-chrétiennes tout à fait intolérantes pour ce genre de tradition. Si les Celto-Germains sont des Atlantes hyperboréens rentrés à la maison, ce ne fut pas le cas de tous les peuples Atlantes. Beaucoup sont restés au soleil au bord de la Méditerranée. Ce fut le cas des Grecs, des Hellènes évidemment, mais ce fut aussi le cas de ceux qui se sont installés en Lydie, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, ou sur tout ce qui est la zone méditerranéenne orientale, et notamment les Phéniciens. Les Phéniciens seraient un peuple issu du mélange entre les Canéens, un peuple sémitique autochtone, et des Nordiques venus donc chercher refuge. Finalement, on s'aperçoit que toutes les civilisations qui ont émergé de l'Antiquité sont des civilisations qui finalement avaient une racine hyperboréenne, qui sont toutes issues d'un peuplement atlante, et donc en réalité, on pourrait presque dire en fait « out of Atlantis », car on a vu que la théorie indo-européenne ne tenait pas la route, que d'ailleurs elle était là en fait pour alimenter, je pense, l'out of Africa, mais qu'en réalité il s'agit bien d'un out of Atlantis, en tous les cas pour ce qui concerne les Européens occidentaux. J'entends déjà les critiques « ah 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 » au lait qui prétend que les peuples de la mer, les Pélasges, viennent du nord, que ce sont littéralement d'anciens vikings, ah ah ah. Et pourtant, il ne nous a pas montré ces fresques de Medinet Abou où on voit ces peuples de la mer, soi-disant atlantes, qui ont un couvre-chef comme ceci. Ça n'a rien de viking. Et oui, c'est vrai, pour répondre, je dirais « ça n'a rien de viking ». Par contre, ça n'a rien d'autre non plus. C'est-à-dire que on ne connaît ce genre de couvre-chef que sur les fresques de Medinet Abou, sur ces peuples de la mer. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, regardons directement une représentation des peuples de la mer faite par les officiels qui prétendent que les peuples de la mer donc, viennent de Méditerranée. Je suis d'accord avec à peu près tout sur cette image, sauf sur les couleurs. Voilà. Donc, ce couvre-chef qu'on appelle couronne à rayons est fait de quelque chose de naturel, donc déjà rouge et bleu, il n'y avait pas d'industrie du textile, ça m'étonnerait qu'ils soient fatigués à les colorier comme ça, et donc substance naturelle, d'où elles viennent, quel animal peut proposer ça? Eh bien, il s'agit de ce cheval qui a une crinière magnifique redressée, et c'est le cheval nordique des fjords. Voilà, c'est comme ça, c'est la nature, c'est un cheval du nord qui présente donc cette caractéristique
qui a permis aux Atlantes donc de construire littéralement ces couronnes à rayons qui a l'avantage d'amortir les chocs, mais également de tenir chaud. Ça peut être utile quand on est dans le nord. Donc je suis d'accord à peu près sur tout sur cette image, effectivement, sauf sur la couleur, hein, c'était noir et blanc, cette crinière, et puis également, évidemment, l'apparence des peuples de la mer, maintenant on le sait, est une apparence nordique et pas méditerranéenne. Pour enfoncer le clou, je vous avais dit que les Spartiates descendent des Atlantes. Eh bien oui, regardez, et ils n'ont pas oublié leur origine nordique, puisque leur belle crinière sur leur casque là, voilà, c'est de la crinière de cheval nordique des fjords. Enfin, en tous les cas, c'est ce que ça représentait à l'époque, le cheval nordique des fjords en noir et blanc. Et on dirait vraiment un copier-coller de la crinière de ces chevaux, car effectivement, les Spartiates savaient de qui ils descendaient et s'ils n'avaient pas de casque à cornes. En revanche, cette crinière du cheval nordique des fjords est également une caractéristique d'une origine nordique. Alexandre le Grand lui-même n'avait pas oublié sa tradition, puisqu'il avait acheté, pour un tarif très élevé, un cheval nordique des fjords, car il était lui aussi très attaché à ses ancêtres et à son origine. Et le cheval nordique des fjords a la particularité d'être un très bon cheval, très endurant. Dans la mythologie grecque, ces Atlantes venus du nord sont appelés Hyperboréens ou Héraclides. L'ancêtre du fameux Léonidas du film 300, eh bien son ancêtre était un Héraclide. Comment ne pas aborder l'Égypte? Vous allez me dire, bah balance le générique de fin. Franchement, on resterait sur notre fin, non? L'Atlantide et l'Égypte, les liens entre les deux, ça vous intéresse? Bon, bah, sachez que j'ai déjà traité ce sujet dans l'épisode 1 de La Pilule Verte, les pyramides et l'Atlantide, avec des liens mythologiques, mais également et surtout les liens du réseau vert. Hein. L'Égypte est vraiment sur le réseau vert. Si je devais citer qu'un seul lien, je dirais le lien entre la Grande Pyramide de Gizeh et Newgrange en Irlande. Ça décoiffe, hein. Donc regardez cette vidéo si c'est pas déjà fait, et même si c'est fait, ça vous fera pas de mal, ça vous fera réviser. Mais si j'aborde ce sujet, c'est parce que j'ai quand même des éléments nouveaux à apporter. Je m'explique. Trois éléments nouveaux en fait. Le premier, ça va être par rapport à la Grande Pyramide elle-même. Alors maintenant que vous commencez à être, pour ceux qui me suivent en tout cas régulièrement, à être imprégné de cette culture atlanto-boréenne, bah, vous allez comprendre. En fait, tout est symbolique dans cette culture, et la puissance du symbole, c'est que ça traverse le temps, justement. Donc vous savez que l'Atlantide elle-même, cette île engloutie, quand on la regarde, elle est circulaire, il y a même plusieurs cercles concentriques, et elle est entourée d'eau. Il y a plusieurs fossés même autour, elle est entourée d'eau, et on retrouve cette architecture à Stonehenge, on retrouve ça à Avebury, et un peu partout en fait dans la plupart des sites mégalithiques. Donc on voit que c'est lié à l'Atlantide tout ça, et que c'est lié en fait à la notion de centre et de pôle, et d'axe du monde. Tout simplement parce que, comme vous le savez, au centre de ce cercle, il y a une petite montagne, donc une petite colline, une petite éminence, ça monte. On voit souvent des tertres hein, dans la culture mégalithique, des petits monts comme ça, et en haut du tertre, il y avait un arbre. Donc là, dans l'Atlantide, on a une petite colline, un temple, et la fameuse colonne d'Atlas, la colonne du ciel, celle qui soutient le monde, image de l'axe de rotation de la Terre, et donc image du pôle de l'Hyperborée. Hein, parce que je vous rappelle que, voilà, au pôle, c'est là, c'est l'axe de rotation de la Terre, il se situe là, hein, sous l'étoile polaire. Eh bien, cette notion de centre, hein, elle est très importante, puisque la Grande Pyramide de Gizeh, c'est également un centre, et c'est également une image d'Hyperborée, une image voilà, de la zone polaire et de la notion de centre. Alors là, ce n'est pas le centre de rotation de la Terre, calmez-vous, hein, ce n'est pas la colonne du ciel, cependant, c'est le centre des terres émergées. Et oui, le centre des terres émergées se situe, bon, pas exactement au niveau du plateau de Gizeh, mais pas loin. Et l'autre particularité, c'est que la Grande Pyramide de Khéops se trouve tout proche d'une faille entre deux immenses plaques tectoniques. Donc c'est vraiment
à un endroit stratégique où les pyramides de Gizeh ont été construites. Et ensuite, ce qui nous permet vraiment de valider cette interprétation, c'est que la grande pyramide, enfin les trois pyramides en fait, sont parfaitement orientées nord. On a une façade à chaque fois qui est parfaitement orientée nord. Et dans cette façade se trouvent deux couloirs qui mènent aux deux chambres, chambre du roi et chambre de la reine. Et ces deux couloirs visent le pôle, visent l'étoile polaire, plus exactement. En fait, pour être plus précis, elles encadrent, ces deux chambres encadrent l'étoile polaire. Si vous faites la moyenne des deux, vous êtes en plein sur l'étoile polaire. En fait, les deux chambres visent un peu au-dessus et un peu en dessous, mais c'est centré par rapport à l'étoile. Et ça vise vraiment dans la zone circumpolaire, avec une précision assez redoutable. Donc voilà, là on voit que cette pyramide pointe au nord et nous indique carrément l'étoile polaire, l'axe de rotation de la Terre. Donc c'est ce qui nous fait dire, avec notre culture hyperboréenne, que la grande pyramide de Gizeh est une image du centre hyperboré, on va dire, mais pour les terres émergées. Deuxième point, mythologique cette fois-ci. Vous connaissez tous la déesse égyptienne Isis. Vous avez vu comme elle est coiffée de cornes de vache ou de taureau. On va dire de vache puisque c'est une femme. Un disque solaire au milieu. C'est exactement la même réplique que le taureau Atlante. Hein. Donc le taureau Atlante, on retrouve sur les cornes d'Isis. Ensuite, Isis allaite, donc c'est plutôt une vache, elle va allaiter Horus, d'accord ? Maintenant, prenons la mythologie nordique. Dans la mythologie nordique, vous prenez le Béaba, hein, vous prenez l'Edda de Snorri, Gylfaginning, le début de Gylfaginning, la cosmogonie, vraiment le commencement des temps, on vous dit, très rapidement, on vous dit, voilà, la première créature, c'est la vache Aud, Audumla, et... vous l'appelez Aude, hein, parce que c'est écrit comme le prénom, hein, c'est un diminutif. Donc Aude, la vache sacrée, image de la déesse mère en fait, allaite Ymir. Donc Ymir, qui est le premier être vivant, est allaité par la vache Aude. Donc là, on a un parallèle flippant, hein, j'ai envie de dire, entre la mythologie nordique et la mythologie égyptienne, quoi. Donc la vache sacrée Aude, en fait, c'est la déesse Isis, et vice-versa. Mais alors, qui a copié sur qui? C'est la mythologie nordique qui a copié sur la mythologie égyptienne? Ah bah ça, c'est ce que vont vous dire tous les officiels. Hein. Bah de toute façon, eux, les officiels, ils passent leur temps à dire que l'Atlantide n'a pas existé. Ou pire, ils font la promotion de fausses théories sur l'Atlantide. Hein. Alors, ce que je dis là, il n'y a pas de promotion. Hein. C'est pas médiatisé. Heureusement que je me dépatouille pour le faire. Heureusement que certains d'entre vous me soutiennent. Donc déjà, très simplement, hein, prenez la mythologie égyptienne. On sait très bien que dans la mythologie égyptienne, le dieu civilisateur, c'est Ra. Or, on dit bien que Ra, c'est lui qui a amené toutes les connaissances en Égypte, hein, qui a permis de créer la civilisation. Donc, c'est un apport extérieur. Or, ce dieu Ra, il arrive sur sa barque solaire. Et regardez un petit peu la tronche de la barque solaire de Ra. C'est pas flippant, ça, franchement. Et des barques solaires comme ça, hein, vous en avez, il y en avait deux ou trois, je crois, dans la pyramide de Khéops, quoi, dans les garages, j'ai envie de dire, de la pyramide de Khéops. On a retrouvé ces barques à proue relevées, quoi, typiquement nordiques. Donc, voilà, la mythologie, elle est là pour nous éclairer aussi. Enfin, on va terminer avec la table d'émeraude de Thoth, hein, puisque Thoth, vous savez, un dieu égyptien, celui des arts, celui de l'intellect, qui est réputé voilà, être à l'origine de la science et donc de la construction des pyramides, bah, on va l'écouter. Extrait des tables d'émeraude. Table 1, l'histoire de Thoth l'Atlante. Je suis Thoth l'Atlante, maître des mystères, gardien de la mémoire ancestrale, roi, sage et mage. Je suis celui qui survit d'une génération à l'autre pour guider ceux qui me suivront dans les souvenirs de la grande Atlantide. Et maintenant, me voici à nouveau avec vous, pour un temps, jusqu'au moment où le peuple de Khem ne me reconnaîtra plus. Mais il reviendra le temps où je surgirai à nouveau fort et redoutable pour demander des comptes à ceux qui sont derrière moi.
Alors attention à toi, peuple de Kem. Si tu as dénaturé mon enseignement, je te précipiterai en bas de ton trône, dans les cavernes obscures d'où tu viens. Dans les temps anciens, mon peuple était grand, plus grand que tout ce que peuvent concevoir les petits qui m'entourent. Il possédait une sagesse ancienne, puisant au cœur d'un savoir infini, remontant à l'enfance de la terre. On voit bien que Thoth l'Atlante, constructeur des pyramides, vient bien de l'extérieur. Il est arrivé en Égypte. Ce n'est donc pas les autochtones égyptiens, le peuple de Kem, les Kémites, qui sont responsables de la construction de ces pyramides de Gizeh. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'ils n'y ont pas participé. En tous les cas, Thoth l'Atlante est clair, il ne fait pas partie du peuple de Kem, et d'ailleurs, il met même en garde le peuple de Kem au cas où il l'aurait oublié, au cas où il l'usurperait. C'est assez drôle d'ailleurs. Oui, c'est même très drôle car en ce moment, il y a toute une propagande qui dit que les pyramides égyptiennes ont été construites par les autochtones, par les Kémites. Ce lobby dit que l'Atlantide n'a pas existé. Donc les Atlantes n'ont pas existé et que c'est uniquement le peuple de Kem qui est responsable pour la construction des pyramides. Donc on a vraiment l'impression que Thoth l'Atlante avait été visionnaire. Pour clôturer ce chapitre, je vais quand même mentionner la liaison Karnak-Karnak, hein, elle est quand même mythique, hein, dans notre bien-aimée Bretagne. Il y a le site mégalithique de Karnak avec toutes ces pierres levées, toutes ces images de la colonne du ciel, en fait, toutes ces colonnes du ciel, hein, tous ces monolithes. Eh bien, en Égypte, il y a Karnak aussi, mais avec un K. Et là aussi, on a un temple avec énormément de colonnes. J'en dis pas plus, rendez-vous à l'épisode 1. L'Atlantide nous concerne tous, c'est l'histoire de l'humanité entière qui est concernée. Et je crois que l'essentiel à retenir, c'est vraiment qu'il faut diffuser cette vérité, diffuser la vérité pour nous libérer, pour nous émanciper. Parce qu'il y a des vraies forces qui vont contre ça. Et pourquoi ? Tout simplement parce que si vous voulez asservir un peuple, asservir quelqu'un, il faut le couper de son passé, il faut le couper de ses origines, de ses racines, il ne faut pas qu'il comprenne qui il est. Il faut aussi le couper de toute spiritualité, il faut le couper de la philosophie. Or, la culture hyperboréenne, qui émane de l'Atlantide, c'est une culture qui allie philosophie et vie spirituelle, chose très rare. On voit bien que de nos jours, les deux choses sont séparées. Soit c'est des philosophes athées matérialistes, soit c'est des religieux, mais qui rejettent la philosophie. Donc là, on a vu deux points hyper importants qui font que le pouvoir politique et les ingénieurs sociaux sont là pour rejeter l'Atlantide parce que c'est une culture de l'émancipation et parce que cette vérité sur notre passé dérange les projets politiques également. Mais surtout, ce sont les religieux des religions abrahamiques qui détestent vraiment l'Atlantide. C'est eux, en fait, qui nient totalement l'Atlantide, qui vouent une haine à tout ce qui est culture atlante, hyperboréenne. Ils détestent tout ce qui est arbre, tout ce qui est colonne, image d'Atlas. Hein. Ça, c'est... Il faut vraiment connaître l'histoire, hein. C'est clair. Par exemple, prenons donc la culture grecque, hellénique, très, très atlante, très hyperboréenne, avec ses temples faits de colonnes. Eh bien, tous les temples grecs ont été détruits par des chrétiens. Enfin, il en reste, évidemment. Mais en fait, les temples de Grèce classique qui nous restent, ce sont des temples qui n'ont pas pu être détruits par les fanatiques chrétiens. Parce que s'ils avaient pu, ils l'auraient fait. Ça, il faut le savoir. Hein. Il y a eu des directives politiques données par l'empereur romain, le nom va me revenir, Théodose, avec des lois ordonnant la destruction des temples, ordonnant la mise à mort et la conversion forcée pour les païens, parce que c'est comme ça qu'on a commencé à les appeler. Il y a eu une sorte d'inversion accusatoire entre la nouvelle religion qui s'est crue tout permis et qui a effacé l'héritage de toute l'humanité, quoi. Donc, faut savoir que Théodose 1 ou 2, je ne sais plus, il a fait quand même massacrer, je crois, c'est 17 000 Grecs. 17 000 Grecs ont été retrouvés massacrés dans une fosse. Et ça date de
du 4e ou du 5e siècle, il me semble. C'est absolument abominable, c'est un véritable génocide. Il y a eu un génocide des Hélènes, un génocide des Atlantes hyperboréens, j'ai envie de dire, dans leur façon de voir le monde, dans leur culture, dans leur spiritualité. Ils ont été génocidés par des chrétiens fanatiques. Ensuite, il s'est passé la même chose en Europe. La religion chrétienne est devenue obligatoire. On a interdit le culte des arbres, le culte des pierres. C'est Charlemagne qui a fait ça. Et ça a été, encore une fois, un bain de sang, un génocide. Le summum, le paroxysme de cette dictature génocidaire, c'est quand Charlemagne va chez les Saxons, donc tout près de l'Atlantide, tout près dans le pays des Frisons, tout près des Frisons, et il a massacré en une seule nuit 4500 hommes, chiffre officiel, c'est sans doute plus, et déporté tous les femmes et enfants. Et ça, c'est ce qui nous reste. En réalité, il a déporté beaucoup plus de gens que ça, tous les gens qui étaient réfractaires à la conversion. Ce qui voulait dire donc l'oubli, hein, le rejet, en fait. On demandait à ces gens de nier en fait leurs ancêtres, de nier la vérité, de nier ce qui s'était passé avant. Et donc, ça a mené tout ça à une réaction. Hein. Bien sûr, la réaction, ça a été l'invasion viking, les derniers héritiers de la culture atlanto-boréenne. Et puis ensuite, il y a eu l'Inquisition. Ah oui, ça ne s'arrête pas là. On a brûlé tous les livres, on a brûlé les bibliothèques d'Alexandrie. Voilà pourquoi on a oublié cette Atlantide boréenne. On a été vraiment moralement déchiquetés, massacrés. Culturellement, nous sommes un peuple déchiré, estropié. Voilà, toutes ces choses que vous connaissez, les incendies des bibliothèques d'Alexandrie, c'est ça que ça veut dire. C'est ces choses-là qui nous ont enlevés. C'est une culture émancipatrice, équilibrée, où la divinité, c'est justement l'équilibre. L'arbre au centre, l'axe du monde au centre. C'est une valeur philosophique. Quoi de plus beau que faire un culte pour une valeur philosophique qui est l'équilibre et la modération. On a la philosophie, le spirituel, tout est là. Bref, culture émancipatrice, rejetée en bloc par le pouvoir et les ingénieurs sociaux. Mais alors, comment l'Église a-t-elle procédé pour effacer l'Atlantide de notre mémoire, pour nous convertir de force? Elle a utilisé le mot païen. Elle a probablement détourné le sens de ce mot, elle l'a rendu péjoratif, et elle a nommé païen tous ceux qui refusaient en gros de se convertir à la nouvelle foi. Et donc, c'était pour les discriminer, c'était péjoratif, c'était pour les montrer du doigt, ces gens-là. Donc, en réalité, tous les gens, les Celtibères, les Gaulois, les Germains, les Hélènes, peu importe, tous ces Européens fidèles à leur tradition de l'Atlantide hyperboréenne, on les a appelés païens. Donc en même temps que l'Église forçait les gens à se convertir, qu'elle effaçait l'histoire de l'humanité et le souvenir de l'Atlantide, elle remplaçait, elle substituait les mots Atlantide et hyperboré par le mot païen. Voilà pourquoi aujourd'hui on n'a plus souvenir et pourquoi on a des païens qui, on en a encore un petit peu, qui ignore l'Atlantide et l'Hyperborée. C'est vous dire. Voilà, c'est aussi stupide qu'un chrétien, dans plusieurs siècles, si on efface la mémoire, ou on efface le dogme chrétien, c'est comme un chrétien qui aurait oublié Jésus, enfin qui ne connaîtrait pas Jésus. Voilà où on en est, en fait, au niveau spirituel en Europe. On ignore carrément le vrai nom de notre spiritualité. Donc notre vrai nom, c'est pas païen, c'est hyperboréen, c'est Atlante. C'est la tradition hyperboréenne. Voilà, ça c'est le vrai nom qu'on a remplacé, enfin qu'on a effacé et ensuite on a appelé tout ça païen, quoi. L'effacement de la mémoire est très profond et très violent. Oui, violent, car à la Révolution française, on était censé sortir de cet étau religieux. Et effectivement, Jean-Sylvain Bailly a écrit dans ses lettres à Voltaire
ses connaissances sur l'Atlantide, sur l'Hyperborée, qu'il situait dans le nord. Donc, en fait, le travail des premiers révolutionnaires était en train de faire ses fruits. La vérité était en train de revenir. On était en train de redonner au peuple ses vraies racines. Et puis, malheureusement, Jean-Sylvain Bailly, qui était pourtant l'un des hommes phares du tout début de la Révolution, avant la Terreur, et il a fait les frais de la Terreur. Donc, il a été guillotiné. Voilà, il est mort lui aussi. Hein. Après les génocides des païens, Bailly, l'hyperboréen, est guillotiné. Pourtant, c'était à un moment donné, c'était l'homme le plus puissant de France au lendemain de la Révolution. Faut quand même le savoir. Hein. Et ensuite, le ménage a été fait par la Terreur, c'est-à-dire que c'est d'autres francs-maçons en fait qui ont liquidé en fait tous les hyperboréens. Ça, c'est clair et net. Il faut le savoir aussi. Donc, quand on dit violence, c'est un euphémisme. Et moi aussi, je suis sous pression. Ceux qui me suivent régulièrement le savent. Des menaces téléphoniques, des harcèlements sur les réseaux sociaux, de la diffamation sur les réseaux sociaux. Donc, sincèrement, j'ai besoin de soutien. Sincèrement. Si vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, si vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur le Tipeee, parce que l'argent, ça reste le nerf de la guerre, mais si vous voulez également participer plus activement, tout simplement à ce combat pour la justice, pour la vérité, eh bien, vous pouvez rejoindre et adhérer à l'association Pagan Libre Païen. On est face à des forces obscures qui agissent depuis déjà très longtemps dans l'ombre et on se doit de lutter contre eux, parce que sinon nos enfants, déjà que nous on n'est pas très libres, mais nos enfants vont vraiment devenir des esclaves. Donc moi je relève ce combat, à vous je dirais de faire le relais. Donc le plus important, voilà, c'est que cette Atlantide hyperboréenne, tout le monde soit au courant. Il faut que tout le monde le sache, il faut diffuser le message au maximum. Moi je fais ce que je peux, je fais ce que me dicte mon âme. Et j'espère que vous appréciez mon travail. Et puis, il y a encore plein de choses. Il y a encore plein de choses à dévoiler. Là, c'était, on va dire, un gros bout, un très très gros bout là, que je viens de dévoiler dans une vidéo. Bien sûr, je ne suis pas le seul responsable. Il y a des grands auteurs, des gens qui travaillent beaucoup, sur lesquels je me suis appuyé. Il y a quelques personnes qui me soutiennent aussi. Je les remercie tous, hein. Je remercie tous les donateurs aussi, et tous les gens généreux et toute la chaleur que je reçois de beaucoup de vos messages. Il y en a qui m'envoient des lettres, il y en a qui m'envoient plein de choses. Je suis désolé, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Sincèrement, vous inquiétez pas, je lis les messages, ça me touche droit au cœur. Et voilà, je lis tout, vous inquiétez pas. Donc merci, merci à tous. Je crois qu'en fait, on n'est encore qu'au début de ce réveil pour nous tous, éveil de conscience en tous les cas pour ceux qui en sont encore capables. Donc, le combat continue. Merci donc d'avoir suivi ce film documentaire. Et encore une fois, merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent. Et voilà, que la justice et la vérité éclatent. Allez, je vous remercie. C'était Oleg l'Hyperboréen.